Il n'y a pas de récession mondiale qui nous menace, affirme le FMI. Mais la croissance économique devrait ralentir et les gouvernements doivent agir ensemble. And the message is the following. Le message suivant est destiné aux décideurs. Corrigez les vulnérabilités qui demeurent en place et soyez prêts si un ralentissement important se matérialise. L'avertissement est venu à Davos, où les dirigeants d'entreprises et les dirigeants politiques se réunissent pour le Forum économique mondial. Quand ils sont venus ici il y a 12 mois, ils ont ressenti un sentiment de soulagement et d'optimisme, car l'économie mondiale semblait enfin se remettre sur pied. L'ambiance a changé. Le FMI reconnaît pleinement que ses prévisions peuvent encore être démenties. Le président américain Donald Trump pourrait jouer un rôle dans ce domaine. Il a annulé son voyage à Davos pour se concentrer sur la fermeture du gouvernement aux États-Unis. Si cela se prolonge, la plus grande économie du monde en ressentira les effets. Un autre accord n'a pas encore été négocié, celui qui mettrait fin à la guerre commerciale de Washington avec la Chine, dont le gouvernement a annoncé lundi que son taux de croissance annuel était le plus lent depuis 1990. Et puis, il y a cette autre grande inconnue, le Brexit. Un retrait désordonné pourrait créer un autre choc économique indésirable. La première ministre britannique, Theresa May, est également restée chez elle. En fait, pour plusieurs dirigeants occidentaux, ce rassemblement de l'élite mondiale n'est pas l'endroit idéal pour se montrer à l'heure actuelle. À Davos, les chefs de grandes entreprises et les dirigeants politiques font partie du problème. Ils sont le problème. Et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin aux inégalités extrêmes parce que c'est incontrôlable. Cela continue de s'aggraver, de ralentir nos économies, de saper la démocratie, de piéger les gens dans la pauvreté. Je suis ici pour demander que des mesures soient prises. Les inégalités croissantes feront partie des discussions ici dans les prochains jours, même si l'événement fait surtout place aux riches et qu'on n'y voit pas tellement de pauvres.